A crowd of protesters in southwest France on Saturday, one of 150 such demonstrations nationwide, all determined in their opposition against the nation's health pass. Je veux faire aide-soignante et je suis obligée d'avoir le pass sanitaire et j'ai aucune envie ni de me faire vacciner ni d'avoir le pass sanitaire parce que pour moi c'est une privation de liberté. That's the main fear for these people, with locations where the pass is needed, in particular in bars, restaurants and for long-distance travel set to expand on Monday. On peut prendre le métro, on peut manger à la cantine de l'entreprise, mais on ne peut pas manger sur la terrasse du bar du coin. C'est un peu bizarre quand même, quoi. Ça n'a rien de sanitaire. Quand on impose aux gens un vaccin expérimental, c'est quand même aberrant. At the other end of the country, in the north, restaurant owners too have turned out rather than open up shop. For them, needing to check their diners have valid passes is a step they're refusing to take. On n'a pas envie de le faire, on n'a pas le temps de le faire, c'est pas notre boulot. Notre métier est de servir, honorer nos clients, et tout ça en convivialité. Là, on va créer un petit peu d'animosité. Despite the protests, France's health pass does enjoy wider support, with 54% of the population now fully vaccinated against COVID.